Bonsoir à tous. Qu'est-ce que l'érosion? C'est le déplacement des composants du sol sous l'action de l'eau ou de l'air en mouvement. Enfin, je vais vous le dire plus clairement. En fait, l'érosion, c'est l'eau qui grignote le sol lentement mais sûrement. Alors en Martinique, ce phénomène d'érosion est très marqué, surtout dans le nord-ouest. Selon les scientifiques, aux prêcheurs, le rivage aurait reculé de 30 à 35 mètres en 40 ans. Bon, ce n'est pas catastrophique, hein. L'île ne va pas disparaître. Mais cela veut dire qu'il y a certaines plages qui risquent de ne plus exister. Pire encore, certaines cultures risquent d'être menacées. Des explications tout de suite. Serions-nous en train de disparaître? Selon les scientifiques, chaque année, la Terre recule de presque un mètre. Pour être plus précis, sachez qu'au XVIe siècle, certaines plages s'étendaient sur plus de 300 mètres. Aujourd'hui, elles s'étendent seulement sur une trentaine de mètres. C'est le phénomène de l'érosion côtière, une situation préoccupante pour l'île. Un phénomène surtout marqué sur les agglomérations de Saint-Pierre, du Carbet et du Prêcheur. Cette érosion, elle résulte en fait à la fois de processus naturels et de processus dianthropiques, c'est-à-dire liés à l'homme. Les processus naturels, c'est le fait que dans cette région, Nord-Caraïbes, on a des matériaux volcaniques qui sont très altérés, c'est-à-dire, on va dire, pourris. Ce sont des matériaux qui, lorsqu'ils sont en contact de l'eau de mer, ils s'effritent facilement et donc ils sont facilement happés, mobilisés par le déferlement des vagues. Et puis on a d'autres facteurs qui peuvent intervenir. Par exemple, les actions anthropiques, l'homme qui pendant longtemps, pendant des années, a prélevé du sable sur la côte pour construire. Le lycée Shelcher en est un très bel exemple. Mais on a aussi le fait que pendant longtemps, des carriers du nord Caraïbe ont prélevé des matériaux dans le lit des rivières. Et normalement, les rivières, quelle est leur fonction? C'est d'apporter des sédiments. Ces sédiments arrivent en milieu marin et sont ensuite rejetés sur la plage et donc réalimentent la plage. À partir du moment où on prélève ces matériaux en amont, ils n'arrivent bien évidemment plus en aval et donc la dynamique est perturbée. Et si la mer déferle avec, je dirais, beaucoup trop de force sur le littoral, l'érosion s'installe. Dans son étude, Pascal Safache s'est penché sur la portion côtière allant de la rivière du Carbet jusqu'au Cap Saint-Martin, au Prêcheur. Le constat est alarmant. En 40 ans, le rivage a reculé de 25 à 35 mètres, soit 60 à 90 cm par an en moyenne. D'autres secteurs sont plus gravement touchés. À Lens-Belleville, par exemple, le recul dépasse 70 mètres. En gros, l'ensemble du secteur a perdu environ 30 hectares. La houle serait responsable de cette altération. Ici, elle est très érosive, elle n'est pas amortie par les récifs. Voici un exemple flagrant. Cette plage du Prêcheur, nous l'avons filmée le 31 mai 2007. La voici, quelques mois plus tard. Elle est méconnaissable. Elle a été victime de l'ouragan Dean. Les cyclones, bien évidemment, parce qu'ils génèrent des vagues relativement importantes, les houles cycloniques ont plusieurs mètres d'amplitude, les cyclones vont favoriser, vont magnifier le phénomène, c'est-à-dire qu'ils vont accentuer le phénomène. Les tremblements de terre ne jouent pas véritablement, je dirais, sur les houles, à moins que ces tremblements de terre soient suivis, je dirais, d'un tsunami. Mais de façon générale, les houles cycloniques favorisent l'érosion de façon très très marquée. Oui. L'autre cause de cette altération, c'est l'extraction de sédiments à l'embouchure des rivières. Cette pratique favorise l'érosion. Et comme par hasard, nous sommes en mesure de vous montrer l'exemple type de ce qu'il ne faut pas faire. À cette allure, dans une centaine d'années, certaines plages auront disparu. Quant au sol, ils ne seront plus fertiles. Résultat, la culture agricole ne sera plus possible. La prise de conscience est en cours, mais si l'homme ne prend pas véritablement conscience du phénomène, les infrastructures routières comme celle que vous avez, la route que vous avez derrière vous, risquent de disparaître totalement. Il y aura une île, mais elle aura perdu de sa superficie. Et quand on sait que l'île est extrêmement petite, je dirais le moindre mètre carré perdu, c'est à une valeur économique très importante. Un système de lutte mécanique a été mis en place pour ralentir l'érosion. Ces roches, utilisées comme ralentisseurs, sont peut-être bien celles prélevées dans la rivière voisine. Ben c'est vrai, hein, nous sommes dans un pays insulaire et petit à petit, la mer reprend sa place. Eh oui. Alors figurez-vous qu'à Sainte-Marie, y a une plage qui a déjà disparu à cause de ce phénomène d'érosion. Phénomène qui est aussi très marqué sur la presqu'île de la Caravelle. Depuis quelques années, le PNRM fait de la lutte mécanique et reboise les parcelles pour lutter contre le ruissellement et l'érosion. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Thank you.